la méjulalté, restée veuve. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de pension. Elle élevait donc une coupe de chèvres pour expier ses commissions. Comme elle faisait des bons fromages, qui étaient fameux en fin de repas, à risquer pour d'être au chômage, les pratiquas y manquaient pas. Chez la Méjule, y avait quelque chose de ben gênant quand t'approchais. Une sorte d'odeur qu'elle indispose, on peut pas dire que ça t'alléchait. S'il y avait quoi te rendre morose, ça devenait pire dès que t'arrivais. Oh, c'était pas le parfum des roses, mon Dieu que ça sentait-il mauvais. Nouche Vertier t'es pas coquette, elle se lavait pas souvent le bonbon. Et puis en plus de ses biquettes, y avait son bouquin vieux barbon, qui était au chauvin à son aise, dans un tité contre la maison, ou qui puait plus qu'un sang de punaise, surtout quand c'était la saison. Chez la Méjule, y avait quelque chose de ben gênant quand t'approchais. Une sorte d'odeur qu'elle indispose, on peut pas dire que ça t'alléchait. S'il y avait de quoi te rendre morose, ça devenait pire dès que t'arrivais. Oh, c'était pas le parfum des roses, mon Dieu que ça sentait-il mauvais. On se pince le nez. J'aime pas vos odeurs villageoises, mais la Méjule y a répondu. Vous tuyaux de Cologne et puis vous de crème, c'est pour les bonhommes et puis pas pu. Et comme il veut que les cheveux allument, ben c'est pour ça que mon bouc y pue. Chez la Méjule y avait quelque chose de ben gênant quand t'approchais. Une sorte d'odeur qu'elle indispose, on peut pas dire que ça t'alléchait. S'il y avait de quoi te rendre morose, ça devenait pire dès que t'arrivais. Oh, c'était pas le parfum des roses, mon Dieu que ça sentait-il mauvais.